Bonjour les cousettes, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour apprendre à floquer un t-shirt, c'est-à-dire travailler le flex et ensuite le placer sur le t-shirt pour vous créer des ouvrages personnalisés. Je vous montre ce que nous allons réaliser pendant ce tutoriel. J'ai créé un t-shirt d'Odinette, voilà, à partir de mon logo, qui me permet de le porter pendant tous mes salons et d'être identifiable facilement. Bien sûr, vous n'allez pas réaliser chez vous un t-shirt de dinette, mais ça vous permet de voir un petit peu comment travailler le flex avec une machine de découpe, comment l'échenier, et puis comment floquer un t-shirt ou positionner votre flex sur un ouvrage avec votre fer à repasser. En tout cas, c'est la technique que j'ai utilisée. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Je l'ai réalisé, j'ai eu la chance de le réaliser avec la dernière machine de découpe, la Scan & Cut, qui vient juste de sortir, qui m'a été prêtée par mon partenaire créatif découpe. Autant vous dire que je suis juste séduite par cette nouvelle machine. Je vous en reparlerai sûrement dans de prochaines vidéos en vous la présentant un peu plus en détail parce qu'elle vaut le coup d'œil et il y a des petites révolutions qui s'opèrent dedans hein, par rapport au modèle que j'avais qui était le premier modèle qui est sorti il y a maintenant à peu près 3 ou 4 ans. Voilà, donc mais ça, ce sera l'objet d'un prochain tuto. Je vous la montre un peu rapidement parce que voilà, ça me fait plaisir de vous la faire découvrir aujourd'hui, et ensuite c'est parti, on va floquer ensemble notre t-shirt. Voici la nouvelle Scan & Cut qui vient de sortir, c'est le modèle 1200. Si vous avez déjà une Scan & Cut, vous reconnaîtrez facilement son design, qui est maintenant là un peu plus robuste et un peu plus épais. Hein. C'est une machine qui est quand même plus grosse que les précédentes. Je vais l'ouvrir, il faut vous la présenter un petit peu rapidement. Voilà, donc l'intérieur, avec en plus maintenant des compartiments pour ranger son matériel. Et la nouveauté par rapport à la machine que je possédais déjà, c'est ça. En fait, c'est une lame qui s'adapte automatiquement à ce que vous voulez découper. Du coup, il n'y a plus besoin de régler la lame, ça c'est vraiment pas mal. En tout cas, j'ai apprécié. Et par rapport au modèle que moi j'avais déjà, elle fait Wi-Fi. Je me disais que c'était un gadget, mais finalement, ça m'a bien servi sur ce tuto. Autre petite précision, cette nouvelle machine permet de découper le cuir également. Il faut que je teste cette option. Dès que je vais avoir un peu de temps, je vais m'y mettre. Et je vous montre tout de suite comment floquer un t-shirt. Donc la première étape va être déjà de récupérer le motif que j'ai créé depuis mon ordinateur pour pouvoir le positionner un petit peu sur la planche de découpe et voir la taille de flex à utiliser. Donc pour effectuer cette opération, moi je me suis servi d'une nouvelle fonction sur cette Scan & Cut qui est la fonction Wi-Fi. Que je n'avais pas sur l'ancienne, qui est assez pratique, je dois vous avouer. C'est facile de paramétrer la Scan & Cut et de la relier au réseau. Bon, ça, je l'ai déjà fait avant. Et une fois que j'ai choisi mon motif sur mon ordinateur, parce que j'ai travaillé sur le logiciel fourni, du coup, j'ai, depuis mon ordinateur, envoyé mes données vers ma machine. Donc, dans ce tutoriel vidéo, je ne vais pas vous montrer comment utiliser le logiciel, parce que déjà il a évolué depuis que je m'en suis servi la dernière fois, parce que tout change vite, et en plus j'étais sous ma machine donc je ne peux pas être partout, mais c'est prévu, j'ai prévu de vous faire un tutoriel autour de l'utilisation du logiciel un peu plus tard quand je l'aurai un peu mieux pris en main. Donc là tout est déjà fait, mais je vais vous montrer comment récupérer les données. Donc je vais sur récupérer mes données que j'ai déjà envoyées depuis mon ordinateur sur la machine. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités pour récupérer les données. Utiliser des données qui sont dans la machine. Utiliser une donnée depuis une clé USB. Utiliser, récupérer ces données depuis en se câblant en fait avec son ordinateur. Et moi, je vais choisir ici l'option Wi-Fi. Donc, récupération en cours des données. Moi, c'est les données que je lui ai demandé d'envoyer. Donc, vous voyez que mon logo de Odinette arrive là. Il y a le nom du blog, tout ça. Je me suis dit que c'était assez chouette de floquer ça sur un t-shirt pour le salon qui commence vendredi. Donc, mon fichier est arrivé ici, et je vais avoir des possibilités. Je peux par exemple l'enregistrer si je veux, l'enregistrer sur la machine, l'enregistrer sur l'ordinateur depuis le réseau Wi-Fi, ou l'enregistrer sur une clé. Là, aujourd'hui, je ne vais pas l'enregistrer, mais sachez que c'est possible. Je vais retourner en arrière. Et là, du coup, comme je vais travailler le flex, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours que, en fait, dès que vous faites du lettrage ou un motif qui a un sens, hein, pas un motif géométrique tel qu'une étoile, mais voilà. Dès qu'il y a un sens, en fait, il faut savoir que votre machine va découper le flex sur l'envers. Du coup, il faut retourner votre motif à l'envers, parce que là, si je thermocolle ça sur l'envers, on ne va pas comprendre ce qui est écrit. Donc du coup, pour ça, je vais dans Édition,
Et vous voyez qu'il a sélectionné tout mon motif. Je pourrais choisir de sélectionner qu'une partie, mais là c'est vraiment tout que je veux retourner. Et je vais dans édition de l'objet. Donc j'arrive ici et je vais utiliser en fait cette touche qui est une mise en miroir. Donc vous allez voir, regardez bien le logo. Quand je vais appuyer, voilà, il va se retourner en miroir et vous voyez que du coup Dodinette est écrit sur l'envers. C'est exactement ce que je voulais. Une fois que j'ai fait cette opération, je peux faire plein de choses, hein, tourner, rajouter des choses, l'agrandir, le rétrécir, enfin voilà. Moi je sais qu'il est déjà la bonne taille parce que j'ai déjà utilisé, donc je vais le laisser comme ça, mais sachez que c'est aussi possible. Voilà, une fois que j'ai terminé, j'appuie sur OK. OK. Je peux choisir d'ajouter des choses. Moi, je ne veux pas ajouter de choses. Donc, je voudrais en fait découper maintenant mon motif. Et donc, vous voyez ici, donc cet espace-là, hein, qui a des cases, plein de petites cases, en fait, représente ma planche de découpe, mon support de découpe. Du coup, ça me permet de visualiser mon objet, enfin, en tout cas, le logo que je voudrais découper, au niveau de la feuille et voir en fait où est-ce qu'il arrive exactement pour pouvoir découper ma feuille de flex. Du coup, je n'ai pas obligé de recouvrir tout mon support de flex, mais je vais choisir uniquement de recouvrir cette partie-ci. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On va découper ensemble le flex et on va le positionner. Et ensuite, on pourra du coup décider de le découper. Mais ça, je vais vous montrer ensuite. Pour l'instant, là déjà, nous allons positionner notre feuille de flex sur notre support de découpe. Donc vous reconnaîtrez ici du coup mon support de découpe que je vais intégrer dans la machine et vous voyez du coup tous les petits carrés qu'il y avait tout à l'heure en fait sur mon écran. C'est exactement la même chose. Donc là je vous ai sorti plusieurs flex différents pour vous montrer. Donc en fait le flex vous pouvez le trouver sous différentes formes, hein, en forme de plutôt vendu en rouleau, en grande feuille, en feuille A4, en petits morceaux, voilà, chez pas mal de fournisseurs. Moi, là, j'ai choisi du flex, en fait, en rouleau. Donc, choisi des très grandes feuilles que j'ai trouvées chez Creative Découpe. C'est le même endroit où j'ai trouvé ma Scan & Cut, en fait. Et je trouve qu'ils ont pas mal de choix. Donc, du coup, je suis restée chez eux parce que je le connais et qu'il est aussi qualitatif. Ça compte aussi. Donc, du coup, voilà, je vous ai mis un petit échantillon. Hein, blanc, rose, du fuchsia, de l'argenté. J'ai encore beaucoup d'autres coloris. Donc là, j'avais envie de partir, en fait, sur du blanc. Parce que mon petit t-shirt, je vais vous le montrer là, que je vais repasser tout à l'heure, il est bleu à pois blanc. Donc c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans le commerce, hein, qui était pas cher. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Et parce qu'il m'allait, il tombait quand même un peu bien. Hein. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire mon logo en blanc avec cette feuille de flex dessus. Ça risque d'être sympa avec les petits pois. Voilà, mais bon, je vais faire plusieurs t-shirts, mais je vous montre l'exemple avec celui-ci. Donc je vais prendre la feuille blanche. Et donc cette étape, en fait, je vais regarder mon écran qui est au-dessus que vous ne voyez pas. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, donc j'ai mon écran ici. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vois l'emplacement de mon motif. Hein. Donc moi, je vais juste compter les cases, en fait, et voir délimiter sur ma feuille qui est plus bas, en bas, là, voir la partie à recouvrir avec ma feuille de flex. Donc du coup, je vois qu'en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Allez, si je vais jusqu'à 8, comme ça, 8 carrés, mon logo est dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, c'est le repère numéro 4. Je sais que ma feuille de flex doit arriver au plus loin, au plus près ici en tout cas. Mon motif se trouve à l'intérieur. Je peux dépasser, hein, mais moi, par souci d'économie, je vais du coup m'arrêter ici. Vous voyez aussi que sur la feuille, vous avez des repères. Hein. Vous avez hop, le centre qui est marqué avec une ligne un peu plus... avec des petits points qui changent, en fait, c'est pour permettre de visualiser les différents quarts. Ok, donc je sais que c'est ici, et en haut, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 10, allez. Donc 10, par rapport à l'espace, là, sur ma Scan & Cut, ça, c'est le repère numéro 2. Voilà, donc là, je sais que je vais devoir découper un morceau de flex qui fait cette taille-là. Voilà, et ensuite je vais le poser sur mon support de découpe. Donc ça, pour faire ça, je vais découper le flex avec mes ciseaux qui sont du coup dédiés à autre chose que le tissu, sinon ça va abîmer mes ciseaux hein, pour le tissu, de couper cette matière-là. Je prépare ça, et puis je vous montre comment on va coller la feuille de flex sur le support. Donc je vous montre ma petite astuce. Moi je positionne ma feuille du coup,
coup de flex sur mon support pour arriver à mon premier repère. Donc je sais que là je suis bien. Bien sûr vous pouvez mesurer, faire un gabarit et tout et tout. Moi je vous montre un petit peu le système D de Dinette. Et puis là je sais que c'était ici, donc je vais décaler un petit peu, voilà. Et puis je vais découper tranquillement ma feuille. Donc je vérifie qu'elle rentre bien dans mes repères. Mais c'est bon. Vous voyez, je dépasse, hein, c'est pas droit. C'est pas grave. Hein. Je sais que je devais arriver au repère numéro 4, donc ça c'est bon. Peut-être en blanc, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je ne suis pas droite, mais je suis toujours dedans. Et je couvre toute ma surface. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, je vais étudier un petit peu ma feuille de flex. Je ne sais pas si vous en avez déjà travaillé. En fait, quand on regarde, donc il y a une partie qui est brillante. C'est celle-ci, qui en fait est recouverte d'une pellicule de plastique. Donc ça, c'est la partie que je ne vais pas inciser. Hein. Je vais m'en servir, je vais la mettre sur le dessous. Et quand on retourne la feuille, vous voyez que cette partie aussi est brillante, mais au toucher, je sens bien que la partie en fait en flex est ici. C'est la partie qui est thermocollante. La feuille de plastique, elle est là juste pour protéger et me permettre de thermocoller mon motif. Donc du coup, il faut bien repérer de quel côté est votre partie en plastique. Si vous avez un doute, vous pouvez décoller un tout petit peu un coin. Vous essayez de décoller un petit peu. Voilà, et là je vois en fait en décollant que c'est cette partie-là qui se décolle, donc c'est celle que je vais placer sur le dessus. C'est cette partie-là que la lame va devoir inciser, sans inciser, la partie plastique. Donc je prends mon support de découpe, et vous voyez qu'il a une flèche. Celle-ci, elle doit se trouver, c'est elle qui doit rentrer, cette partie-là, dans la machine en premier. Donc je la mets vers le haut. J'enlève mon support protecteur et je le garde pour plus tard parce qu'il faut le garder avec votre feuille. Il faudra le recoller après pour éviter que des poussières se mettent dessus. Voilà. Et maintenant, je vais venir positionner ma feuille. Donc toujours partie à découper sur le dessus. Pour qui on est bien. Et donc, je recouvre toute la partie que la machine m'avait indiquée tout à l'heure. Hop. Et pour vérifier qu'elle est bien positionnée, je dois utiliser ma petite spatule et je viens chasser l'air. Donc j'appuie parce que je veux vraiment une bonne adhésion, je ne veux pas de bulles d'air. Je peux me servir de mes doigts aussi. Voilà, je peux pousser comme ça. Hop. Voilà. Moi, je veux vraiment une très bonne adhérence de ma feuille sur mon support. Donc maintenant, je vérifie parce que j'ai travaillé à l'envers tout à l'heure. Oui, donc maintenant c'est bon. Hop. Maintenant, je suis prête à insérer mon support pour les découpes. C'est parti. Donc maintenant, je vais venir insérer ma feuille de découpe dans ma Scan & Cut. Donc je vais l'ouvrir et je vérifie bien, comme je vous disais, que la flèche se trouve vers le haut. Je positionne ma feuille et j'appuie sur ce bouton qui est le bouton en fait pour insérer mon support. Et ce que je vais faire, je vais vérifier en fait que l'intégralité de ma feuille de flex, que mon motif en fait rentre dans ma feuille de flex. Donc pour ça, vous avez une petite astuce, venir en arrière, qui est ce bouton-ci, je vais vous le zoomer, qui permet en fait d'insérer la feuille et que la machine scanne ce qui se trouve dessus pour vérifier en fait que mon motif se trouve à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. On appuie, hop, et c'est parti. Il faut vérifier que vous avez bien assez de place derrière. La machine va insérer l'intégralité de la feuille et la ressortir en fait en vérifiant où se trouve mon support, ce qui se trouve en fait dessus. Voilà. Et donc c'est ce qui va se passer là-haut. Hop, je vais vous montrer. Donc voici le bouton sur lequel je viens d'appuyer, il se trouve ici. Et là, en fait, bon, c'est pas hyper probant sur ce dessin parce que forcément ma feuille est blanche. Mais en fait, la machine m'affiche en fait sur l'écran l'endroit où se trouve ma feuille de flex. Donc là,
On la voit parce qu'il n'y a pas en fait les petits carrés qui sont là sur le support. C'est sûr que ce serait plus probant avec une feuille de couleur, je pense que je vous remontrerai ça une autre fois également. Donc là je vois que mon motif rentre bien dedans. Donc ça c'est parfait. Et ce que je vais pouvoir faire, donc je vais lui dire ok, moi ça me va. Ce que je vais pouvoir faire, hop, je vais faire une découpe. C'est si j'ai envie, faire un test pour vérifier que tout se découpe correctement comme je veux. Donc ça aussi c'est la nouveauté par rapport à la machine que j'utilisais avant, donc on va le faire. On va faire un test. Et donc vous voyez que la machine a placé ici un petit triangle qui se trouve dans ma feuille de flex, donc ça c'est parfait. Du coup la machine va me proposer de découper uniquement ce petit motif pour tester. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Et j'ai aussi également la possibilité sur la clé de modifier les options si jamais ça ne me convient pas. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà effectué un test avant de faire cette vidéo et que quand on découpe du flex en fait, il faut choisir cette option en dessous, demi-coupe, et j'ai mis oui. C'est-à-dire que la lame ne va pas traverser le flex et le plastique, mais uniquement le flex. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne parce que j'ai déjà essayé et je l'ai vu en faisant le test. Donc on va quand même tester avec cette option de découper juste le petit triangle. Je vais appuyer sur marche et la machine va travailler. Donc là, elle a découpé son petit triangle qui se trouve ici sur la feuille. Moi ça me convient, là c'est assez lisse. Je pense que je peux le décoller sans problème après pour mon échenillage, oui. Donc c'est parfait, ça me convient. Donc du coup, ici je vais remonter un peu pour vous montrer. Voilà. Du coup ici, comme ça me convient, je ne vais pas choisir retester, mais je vais pouvoir lancer pour le coup ma découpe. Je vais appuyer sur marche et la machine va commencer à découper l'intégralité de mon motif. Hop. Et vous pouvez entendre que c'est quand même très très silencieux sur ce modèle. Donc elle me dit en haut, parce que vous ne voyez pas, que j'en ai pour 6 minutes de découpe. Et là, en fait, elle est en train de découper toutes les lettres de mon motif une par une. Donc là, on est sur la partie blog, en bas, qui est le nom du blog, hein, blog.dezinette.com, qui bien sûr est sur l'envers. Et voilà, et elle va faire son petit travail comme ça, pendant encore maintenant 5 minutes. Elle va découper toutes les parties de mon motif. Donc là, j'ai rien à faire. Et bien sûr, la lame, comme elle est auto-adaptable à mon support, j'ai pas de souci, elle risque pas de traverser le flex plus la feuille de découpe, ce qui m'est déjà arrivé sur mon ancienne machine. Voilà. Vous pouvez constater, le travail a quand même un confort en termes de niveau sonore. Alors on va laisser travailler un petit peu. Vous voyez là avec le reflet les découpes en fait qui se sont faites sur le flex et bien sûr qu'on ne voit pas quand on est au-dessus. Toutes mes lettres là coup sur l'envers. Maintenant que c'est terminé, je peux retirer ma feuille du support et vous allez voir que il ne reste rien dessus. Je vais également tout de suite penser à remettre ma feuille protectrice, comme ça je suis sûre que je ne vais pas avoir de petites poussières hein, qui vont se mettre dessus, parce que ce serait dommage. Et je vais maintenant travailler sur ma feuille de flex. Donc là, comme ça, on commence à voir, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, on voit un petit peu les motifs découpés. Et donc maintenant, je vais me servir de ça. C'est un crochet qui va me permettre d'échenier mon flex, cet appel. Donc en fait, je vais venir évider les parties qui ne m'intéressent pas sur mon motif. Donc on va peut-être commencer par une lettre, par exemple celle-ci. Hop. Et je vais venir avec mon crochet retirer la partie intérieure là du haut. Ensuite,
Je continue, donc je n'attrape que les parties que je ne veux pas conserver. Hein. Moi, je ne veux pas conserver l'extérieur de mes lettres. Donc là, je tire un peu et je vais venir retirer de la feuille l'extérieur. Donc je déchire hein, mon flex, l'extérieur de mes lettres. Et je fais ça sur toute ma feuille. Je vais vous zoomer un petit peu. Et donc du coup, ce que je retire là, c'est uniquement la partie thermocollante hein, de mon flex. Et de l'autre côté, j'ai toujours ma partie en plastique. Hein. Si on regarde bien, là je n'ai pas de trou. J'ai ma partie en plastique et c'est ce qui va tenir en fait mes lettres ensemble pour me permettre par la suite de pouvoir les thermocoller et de ne pas placer les lettres une par une en fait. Voilà, donc j'y vais tranquillement. Et vous voyez, je commence à deviner mon dessin. Donc forcément, le fait d'utiliser une machine de découpe, on a un résultat qui est quand même hyper plus net hein, que si on travaille à la main, mais c'est possible de travailler à la main aussi. Hop. C'était mon motif test qui se trouve ici. Donc c'est pour ça que je vous disais d'utiliser une feuille à la taille de votre motif, parce que du coup tout ce qui est autour, bah on va pas s'en servir quoi. Mon motif, je ne veux pas le conserver, je l'enlève. Et je vais venir maintenant travailler l'intérieur de mes lettres du D. Voilà. Donc pour vous montrer un premier aperçu, quand je vais thermocoller sur mon t-shirt, voici ce qui va apparaître, le dinette. Donc là, j'ai encore du travail, hein, des chenillages, là aussi, pour travailler sur le lapin. Et voilà un premier rendu de ce qui va se passer. Et ensuite, tout à l'heure, quand on viendra poser notre logo sur notre t-shirt. Donc je vais continuer, et puis on va thermocoller tout ça ensemble. Voilà le rendu une fois que le chenillage est terminé. Donc j'ai bien enlevé toutes les parties que je voulais retirer hein, sur mon motif. Et du coup, je vais maintenant pouvoir le positionner sur mon t-shirt et le floquer. Donc voici mon t-shirt sur lequel je voudrais floquer du coup mon motif hein, qui se trouve ici. Hop. Donc l'intérêt d'avoir gardé, conservé la partie plastique, c'est qu'elle est autocollante. Donc je peux positionner et puis bouger. Vous voyez, ça va rester en place. Donc déjà, la première étape, c'est qu'il faut toujours travailler sur quelque chose, un plan de travail qui soit dur, qui résiste à la chaleur. Donc moi, j'ai pris cette planche en bois d'une caisse de vin de mon mari, hop, que j'utilise à chaque fois. Et il faut positionner son t-shirt de manière à ce que ce soit bien plat. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, je vais venir positionner mon motif où je le souhaite. Donc je peux choisir de le centrer ou non, je peux choisir d'écrire plus ou moins haut. Moi je pense que je vais essayer
de le mettre un peu bas. Je sais pas, j'hésite un peu, je sais pas. Moi, je vais peut-être le mettre plus centré. Allez, on y va. Voilà. Et l'intérêt du flocage, c'est qu'ensuite, ça ne va plus bouger. Donc moi, je vous conseille quand même de vérifier si vous voulez centrer votre motif, que vous êtes centré quand même. Hein, ça pourrait servir. Donc là, grosso modo, je suis à 12,5. Et là, 9. Donc ça va pas trop, je vais décaler. Je vais décaler mon motif de manière à être positionné au centre. Donc ça y est, j'ai bien tout mesuré. Je sais que je suis positionnée avec mon règle, mon mètre ruban à l'endroit que je voulais. Donc hop, je presse un petit peu sur ma feuille pour que ça reste en place. Et ensuite, je vais avoir besoin de ça. Donc c'est du papier sulfurisé. Hop, que je vais positionner sur mon motif. Voilà. Et maintenant, ça va être une histoire de transfert, de flocage en fait, à chaud. Donc je vais utiliser mon fer à repasser. Si vous avez une presse, bien sûr, c'est l'idéal. Mais moi, j'adore utiliser mon petit fer de chez Prime. Je le trouve pratique. Et puis, il suffit amplement pour faire cette opération. Donc du coup, je positionne mon fer. Et je vais presser un peu partout. On appuie fortement. C'est pour ça qu'il faut être sur un plan dur hein, et pas directement sur votre planche à repasser. Et je passe partout en fait pour faire adhérer ma feuille de flex à mon t-shirt. Voilà, donc le temps de pose dépend vraiment du flex que vous utilisez. Pensez à vous reporter à votre notice ou à la fiche produit du produit que vous utilisez. Et après, il faut savoir qu'il y a des flex qui se décolle à chaud ou à froid. Donc quand il se décolle à chaud, en fait, il faut décoller tout de suite la pellicule de plastique. Et s'il se décolle à froid, il faut laisser un petit peu refroidir quand même pour que ça se décolle tranquillement. Donc quand je pense que c'est bon, pas sûr que ce soit bon, mais c'est pour vous montrer, je viens essayer de décoller un petit peu mon flex et je vois, vous voyez, par exemple le B là, il se décolle complètement, donc j'ai pas mis assez de temps. Et je recommence comme ça jusqu'à obtenir le décollement parfait de ma feuille. Donc je peux maintenant tenter de décoller mon flex et voir ce que ça donne. Vous voyez que le B c'est mieux. Et le flex que j'ai utilisé était un transfert à froid, du coup... Enfin, un peu là, j'ai froid, pardon. Du coup, il fallait que j'attende un petit peu qu'il refroidisse. Donc, vous voyez qu'en fait, je tire ma feuille hein, et la partie plastique se décolle, mais que du coup, tout mon lettrage en flex reste sur mon t-shirt. Ah, là, il manque un petit peu, vous voyez, ça se décolle pas bien. Donc, comme ça se décolle pas bien, hop, je repositionne un petit peu et je viens appuyer. C'est-à-dire que le transfert, c'est pas bien fait. Et je vais recommencer comme ça tranquillement sur tout mon motif. Donc là, quand même, c'est un motif où il y a quand même beaucoup de détails. Donc, je ne vous ai pas montré le plus facile. Donc, je vous ai montré mon projet parce qu'il était en cours. Je ne vous ai pas montré le projet le plus facile à peler. Donc, c'est pareil dans l'oreille. On va l'attaquer par là pour vérifier. Et le Y aussi a besoin d'un petit hop, je repars.
qu'on décolle tranquillement, tout doucement. Mettre un peu le motif s'il y a besoin. Donc s'il y a des parties qui sont pas hyper bien collées, c'est pas grave. Moi je vais repasser un petit coup de fer pour bien fixer tout ça. Du moment que ça se décolle, c'est l'essentiel. Voilà. Donc là c'est bon. Le motif est positionné correctement. Et moi, pour bien tout fixer, je remets mon papier sulfurisé et je repasse un petit coup de fer à repasser, histoire de bien fixer mon motif et qu'il ne bouge plus. Après, c'est un motif qui va résister au lavage. Vous pourrez laver votre t-shirt plusieurs fois, il n'y aura pas de souci. Il ne va plus bouger. Une fois qu'il est placé, c'est bon. Et voilà, vous pouvez admirer le résultat. Il est pas chouette mon t-shirt? Unique, réalisé en sur mesure. Avec les moyens du bord, un petit t-shirt, une feuille de flex. Bon, d'accord, la machine de découpe était déjà là. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous apportera des réponses aux questions que vous vous posez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire. Si vous avez envie de plus de renseignements, ou à visiter le blog, comme c'est écrit ici, blog de dinette.com. À bientôt les cousettes !